Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien en direct. On est sur Sortir au Maroc aujourd'hui. Nous sommes sur la rue Sbou à Casablanca, quartier Gautier. Ok. Et ce soir, je vous fais découvrir en avant-première, parce que ça fait que 2 jours qu'ils ont ouvert, restaurant Portofino, restaurant italien, ici à Casablanca. A tout de suite pour une petite visite rapide. Because of you, I be on the phone all night long. Don't be smarty when you do it to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. Emeleme, ulo mama, honey, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no, no. Emiliano, 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 no. Emiliano, 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 no. You're one in a Emiliano, in a Emiliano, in a Emiliano, no. My Emiliano, 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 no. What it feel like, what it feel like. Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Pour faire cette visite, nous serons en compagnie de NS. NS, salam alaikum. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, la bessalie. Et son épouse Anaïs. Bonsoir Anaïs, comment ça va? Bien. Très bien, merci. Super, magnifique. Anaïs, je sais que je vais me faire insulter dans les vidéos, mais c'est pas grave. Je peux te demander de baisser ton masque pour qu'on bien puisse sûr te voir déjà, voir bien à quoi sûr tu ressembles. C'est mieux. Oh, ouais. Podcast. Non, je rigole. Et en plus de ça, au moins que voilà, on puisse t'entendre parler convenablement et ne pas faire une interview où on va faire. Bien sûr. Et voilà. Comment vas-tu, Anaïs? Très bien. Magnifique. Alors, Anaïs, explique-moi, ce resto, il a ouvert il y a combien de temps? Alors, ce resto a ouvert il y a 2 jours. Donc oui, on est limite presque les premiers à en parler. Exactement. Ça me fait plaisir. Merci. Ça me fait plaisir aussi. Alors, parle-moi de ce resto, Portofino, qui signifie quoi exactement? Alors, Portofino, c'est une ville en Italie, très emblématique pour son port, Portofino, qui a vu la naissance de très grands artistes. Donc là, on a I Found My Love in Portofino, c'est une baseline d'Andrea Bocelli. D'accord, ok. Voilà. Alors, restaurant italien? Exactement. 100%? 100%. T'as pas glissé un petit peu de marocain, ou là, du français, ou la sandwicherie derrière? Non, non, rien. Tu t'es dit 100% italien. D'accord, vite. C'est quoi? Parce que depuis tout à l'heure, je te vois, t'arrêtes pas de tourner ta tête vers là-bas. Yalla, bismillah, on attaque. Présentons. Regardez déjà, vraiment, excuse-moi, je suis obligé de faire un plan large. Parce qu'il faut que les gens voient les plaques que t'as sorties pour la présentation quand même. C'est balèze. Regardez, tout ça. Bon, alors parle-moi. On va commencer par les entrées. Oui, bien sûr. Dis-moi, les antipastis, je crois. Ou peut-être les petites cassolettes, tiens, regarde. Alors cette petite cassolette, par exemple. C'est ce qu'on appelle la cassolette de la mama. D'accord. Cassolette de la mama. Pourquoi? Parce que déjà, quand on voit une petite cassolette, ça nous rappelle un petit peu notre grand-mère, les plats préparés par nos grand-mères, etc. C'est mignon, c'est convivial, ça donne envie. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle a hérité de ce nom. Donc là, on va retrouver des gambas avec des champignons de Paris dans leur sauce rose. Donc c'est une sauce qu'on prépare. Ketchup mayo? Non. Moi, je vois la sauce rose, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été ketchup mayo. Non, mais on peut pas désolé. Les mettre. J'arrive pas à faire être trop sérieux. Voilà, et d'accord, une petite fleur de basilic. Et une petite fleur de basilic. En tout cas, au niveau de la présentation, je veux dire, la petite assiette en dessous, la petite cassolette, au-dessus, la petite chips et tout, rouge et tout, franchement bien, moi j'aime beaucoup. D'accord. Ça, par exemple, vous comptez combien? Alors ça, c'est 70 rals. 70 rals. Voilà. Ok, d'accord. Parfait, on continue. Bien sûr. On enchaîne ici, puisqu'on est à côté. Alors, on est sur un Carpaccio di Brezzaola, donc c'est DOP, donc on est sur une appellation
DOP parce que c'est importé encore une fois. D'accord. Là, on a du parmesan 18 mois d'affinage. Ah ouais. Et ce qu'on voit là, le petit flocon, c'est la stracciatella de burrata. D'accord. Faite par notre fameux artisan fromage. Hamid. Non, je rigole, c'est pas vrai, il s'appelle pas Hamid. Ok, d'accord. Ok, on continue. Alors, on continue. Là, on retrouve une César pollo, donc c'est une salade César. D'accord. À base de poulet pané. Pas poulet pané. Grillé, ouais, ou donc c'est pas un poulet okay. pané. Poulet pané, c'est avec des croûtons de pain. Roquette, tomate cerise. D'accord. Et la sauce César maison. Sauce César maison. Voilà. D'accord, ok. On continue. Alors, on continue. Là, on retrouve les pâtes genovese. Donc, ce sont des pâtes. Donc, là, on a des penne. D'accord. Donc, penne avec une sauce pesto maison. D'accord. Parmesan. Donc, là, par exemple, ça, c'est un plat végétarien. Parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Exactement, c'est d'accord. ça. D'accord, magnifique. Ça convient. Ça, c'est à 65 dirhams. 65 dirhams. Voilà. Pizza. Alors ça, c'est une alors, pizza. Pizza, on en a sorti 4. Il y a celle-ci, ça. Par exemple. Celle-là. Celle-ci, les amis, aux fruits de mer. Celle-ci, au saumon fumé, stracciatella. Exact. Ok. Alors, laquelle des 4 te convient, t'aimes le plus, en fait? Si tu devais en conseiller une des 4 à tes clients. Moi, personnellement. Les 4. les 4, parce que la pâte est majestueuse. Maintenant, personnellement, je les orienterai vers la cheesy, bon ça c'est les pepperoni, c'est la diavola. D'accord, diavola. Bien cheesy avec des pepperoni aussi importés d'Italie. D'accord. Donc celle-là elle est à 85 dirhams. 85 dirhams, ok. Ici, là on retrouve la contadina, donc on est sur une base tomate mouti de Parme. Mozzarella, on est sur de la brezaola. Et là on retrouve la stracciatella de burrata, tomate cerise, roquette. Magnifique. Oui. On continue, oui. Présentation. Ici, alors, on a arancini funghi. Ouais, donc, alors parle-nous, c'est quoi ça? Croquette de risotto à la truffe, ouais. Champignons de pâte. D'accord, voilà. Parfait. Ici, nous avons là, risotto, risotto de fromage, 4 fromages. Fromage. D'accord. Alors, dans les 4 fromages, on a du bleu, pecorino, emmental et telleggio. Je suis en train de voir s'il est en train de tricher les amis, mais il connaît parfaitement sa carte. Bravo! On continue ici avec... Bien sûr, là c'est bon, là c'est vraiment, je dirais, le plat signature quelque part, même si on en a beaucoup. Là on est sur la nostra burrata al tartufo. Donc là c'est une burrata, c'est une boule de burrata farcie à la truffe, sur ces champignons de Paris sautés, tomates confites, tomates cerises, huile d'olive extra vierge et roquette pour la petite couleur. Alors celle-ci, pour être sûr que personne ne va la toucher, que je vais la manger tout seul. Voilà, Covid, marhaba, installe-toi, j'arrive dans un instant. On continue. Alors, les pâtes là, noires. On est sur des pastas, pomodoro et basilico. D'accord. D'accord. Donc là, c'est spaghetti noir. Ouais. C'est une sauce de sauce tomate maison. D'accord. Tomate cerise, parmesan. D'accord. Voilà. On continue avec les desserts. Donc là, nous avons le fameux tiramisu. Alors ça, c'est le fameux tiramisu. D'accord. Donc, qui est à 40 dirhams uniquement. 40 dirhams, d'accord. On est d'accord, c'est du fait maison. C'est du fait maison. Ok. Fait maison. Spécialité resto. Voilà. C'est la fameuse calzone. Calzone et Nutella, Nutella. C'est ça. Exactement. C'est quoi? Il y a du Nutella à l'intérieur? Il y a du Nutella à l'intérieur et à l'extérieur. Et à l'extérieur, parfait. Et on termine avec 45 dirhams. Et on termine ici. Alors, avec... Personnellement, j'aime bien admirer cette tarte au citron revisitée quelque part. Alors là, on est sur une tarte au citron déstructurée. D'accord. Base granola, crème citron maison, crème chantilly, amandes effilées, caramel, sésame. Magnifique. Franchement, j'aime bien la présentation, c'est beau gosse. Et donc, si on devait résumer à peu près, on s'en sort pour combien? Je vais dire chez toi. Entrée plat, plat dessert, alors, par exemple. Entrée plat, il faut compter dans les 140 dirhams. D'accord. Si on est plutôt plat dessert, il faut compter dans les 120 dirhams. 120 dirhams, d'accord, voilà. Ça va, c'est sympa. Oui. Vous êtes ouvert du lundi au dimanche? Alors, on est ouvert du lundi au dimanche, de midi à minuit. De midi à minuit. Service continu. Service continu, vous faites de la livraison? On fait de la livraison, on est disponible sur Glovo et Julia. D'accord. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez nous appeler et on vous livre. On vous retrouve très facilement sur Google, par exemple? Bien sûr, alors il suffit de saisir Portofino Casablanca, au restaurant Portofino Casablanca, et vous tombez sur... Démarrer, le GPS. Exactement. Nous amène directement ici. Voilà. Ok, super. Les réseaux sociaux, Facebook, réseaux Insta. Sociaux, Instagram, ristorante.portofino, tout attaché. Alors, ristorante... Voilà, en italien, voilà. Portofino. Point Portofino, c'est ça. On trouve, il y a déjà des photos des différents plats qu'on a vus, par exemple, ce soir. Un petit peu nos plats, nos pizzas, toutes les bonnes choses. Magnifique. Anas, un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin, bah, je vous dis à presto, à bientôt en italien.
Et venez partager l'amour de la cuisine italienne avec nous. Merci Hannes, je te remercie pour cette visite. Bonne soirée. On te dit à très bientôt et bon courage. J'espère, Inch'Allah, que ça va cartonner. D'accord. Merci à toi, à bientôt. Bon, bah voilà les amis, c'est fini. On était en direct live, on était chez Hannes qui a ouvert ce resto magnifique que vous voyez juste ici, Portofino, quartier Gautier. D'accord, c'est pas très compliqué. Là-bas, vous avez Zartoni, Ketani. Et quand vous arrivez ici, là, voilà, tu marches un peu à pied, Portofino. Tout simplement, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite sur Sortie Romain. Ça va, comme tout le monde. Kiss me through the cellular, kiss me through the phone, yeah.